Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ce bulletin d'information de l'heure que vous avez sur la montre du JT des Carcagnards. Tout de suite, le sommaire. Poster. La fièvre hémorragique Ebola au Gabon. La fièvre hémorragique Ebola qui est partie de l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest dans l'espoir tout simplement d'embarquer dans une pirogue pour rejoindre l'Europe a été refoulée par les autorités portuaires européennes. Voilà. Elle est donc de retour sur la terre de ses ancêtres, l'Afrique centrale. Après le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, chers amis, cette fièvre est entrée au Gabon. Les autorités recherchent le policier qui a apposé le cachet d'entrée sur son passeport. Entre-temps, le ministre de la Défense et de l'Intérieur ont décrété un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire pour passer les barrages. Il faut tout simplement avoir un laissez-passer donc anti-Ebola. Notre reporter est parti vérifier l'effectivité de cette mesure. Voilà donc notre reporter en réseau matinal et à Gendron. Plutôt ici. Hein. C'est bon, Gendron. Bon, mesdames et messieurs, nous allons devoir suivre par rapport au couvre-feu qui a été lancé par le ministère de la Défense et de l'Intérieur par rapport à Ebola. Donc nous allons suivre. Ah, il faut alors. On va regarder, on va partir avec une équipe de policiers pour voir celui qui a sa carte d'Ebola. Celui qui n'a pas. Bakmougang, on l'attrape. Chandro, viens avec moi. Bonjour, messieurs les policiers. Bonjour. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Carte anti-Ebola. Oh, mais nous sommes des journalistes. Non. Nous sommes en train de faire le reportage pour voir comment les gens se comportent par rapport et à la carte Ebola. Oui. On doit vous accompagner dans ce que vous faites pour montrer à la population comment vous travaillez. Monsieur. Donne nos ordres. On a dit pas de presse. Donc pas de carte, pas de passage. Votre carte anti-Ebola, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas passage. Et alors? Mais alors qu'on doit travailler. Vous retournez. Seigneur. Mais on va retourner. On est venu pour travailler. Et alors? Alors on travaille. Donc, on a envie, vous allez chercher votre carte anti-Ebola. Oui, Seigneur. Oui. Bonjour monsieur. Contrôle police, carte anti-Ebola. Bonjour monsieur. Carte anti-Ebola. Carte de quoi? Anti-Ebola s'il vous plaît. De quoi? Vous, c'est moi, je te donne la carte. Carte anti-Ebola. Oh, bloque celui-là. Bloque celui-là. Carte anti-Ebola. Mon frère, c'est la police. C'est la police, contrôle police. Ah, anti-Ebola. Oui. Vous êtes gabonais? Ouais, gabonais. Ça ressemble pas. Vous prenez du Congo? Chef, de quoi? Allez-y. Merci. Il y a sa carte. Mon frère, ça va? Bonjour. Oui, ça va. Tu as l'Ebola? Non. Voilà ma carte. C'est la carte? Oui, chef, c'est la carte? Ah ouais, c'est ça. Ok, remets, il passe. Là, il travaille. Allez-y. Là, vous travaillez, c'est monsieur, bien. S'il vous plaît, retournez. Vous travaillez. Monsieur, retournez. Ça, c'est du boulot. Vous avez une carte anti-Ebola? Nous, les gars, vous avez été formés dans la formation. Non. Carte celui-là. Mais monsieur, vous ne comprenez pas ou quoi? Je quoi? Vous n'avez pas assez mangé? Présentez-nous votre carte anti-Ebola, si vous en avez. Bonjour monsieur, contrôle police, carte anti-Ebola. Et le Gabonais qui n'a pas de carte anti-Ebola, vraiment, je ne sais pas de quelle planète il sort. Hein. Oui, mon je suis muni jusqu'au Ok, pas bien du gros français, carte anti-Ebola. Vérifie. C'est ça? Oui. On a du boulot, c'est ça? C'est ça? Paolo, vous avez vu? Donnez. Merci. Allez-y monsieur, bonne journée. Depuis là, je t'attends. Je ne voulais pas venir, il fallait me dire. C'est comment on va attraper? Parce que moi, comme ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est des ordres. Contrôle de police. Garde anti-Ebola. Mon frère, j'ai mes problèmes, tu comprends. Non, laisse-moi passer. Garde anti-Ebola, madame. C'est vraiment la police. C'est la police, contrôle de police. Eh, pardon, mes frères, excusez-moi, voici ma carte. Regarde. Elle m'a élevé, cette fille-là. Ma fille. Garde anti-Ebola. Ouais, c'est ça. Ok, laisse-la. Non, laissez-moi passer. Ma fille, tu n'as pas l'Ebola? Au moins toi. Non, je ne sais pas demander la question. Mon frère. Ma soeur. Ne me soulève pas, tu comprends, non? Je vais avec tes problèmes. Oh là là, Angaba.
Oh, l'éboline. Éboline. Mais vous êtes dur d'oreille. Mon oreille n'est j'ai pas dure, mon frère. Ebola. Regarde, regarde, mon frère. Je suis la presse. Je dois montrer à la population et ce alors, vous travaillez. On a reçu des ordres, monsieur. Okay. Roman, quatre là. Eh, police de contrôle. Ebola. Contrôle de police, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Garde Ebola. Bonjour, monsieur. Garde anti Ebola. Je pars à l'hôpital. Pas... On a reçu des ordres, carte anti-Ebola. Pas de carte, pas de passage. Monsieur, je suis malade. Tu souffres de qui? Tu souffres de qui? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Quoi? Mon frère, pardon. Ça fait quoi d'être d'avoir l'Ebola? Oui. Ça fait quoi d'être ébolien? Je n'ai pas l'Ebola. Oh, comment ça? Je voulais faire fuir les policiers. Mais pourquoi? Je suis cambrioleur. Tu es un voleur, pas cambrioleur? Oui. Il y a un voleur qui vole. La maison là que tu es venu voler. Chandro, on va faire un hold up à nous pour regarder en live un voleur. On est déjà collègues. Devant l'avancée de la fièvre Ebola, nous recevons sur ce plateau un médecin chercheur, voilà donc qui vient nous passer un message du ministère de la Santé publique. Voilà, il est avec nous ici tout simplement pour nous donner tout simplement quelques explications. Comment faire, voilà, quelles sont les attitudes à prendre, voilà. Et monsieur, bonjour. Oh, bonjour. Ok, bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs. Je suis le docteur Ngaï, filtre au voisin. Donc, pour éviter de s'attraper la maladie Ebola, il faut éviter de rester à côté des personnes qui toussent. Excusez-moi. Excusez-moi, vous êtes Gabonais? Ah oui, bien sûr. Je suis du sud-est. En outre, pour éviter de se choper ce virus, l'Ebola, il faut éviter de toucher les personnes qui éternuent à tout moment. Ah, il fait frais ici. Oui, je poursuivais. Donc, vous exercez où? Je suis chercheur. Oui. Au CHMIC, ah oui, qui signifie littéralement Centre hospitalier universitaire des maladies incurables et contagieuses. Donc, si je comprends bien l'explication du mot en antique, cela signifie maladie. Effectivement, cela signifie maladie. Et d'autres critères pour éviter de se choper le virus Ebola. Il faut éviter de toucher les cadavres, comme je le fais de manière régulière. Et surtout, lorsque on le fait sans gants, vous voyez. Oui. Donc, je disais, est-ce que c'est quand même facile? Et comment, quelles sont les attitudes à prendre quand même? Ben, il faut retenir aussi ceci. Oui. Certes, ce n'est pas facile, oui, mais nous sommes dans le métier et nous les touchons tous les jours. Okay. Voilà. Donc, si je vois bien la définition, si on prend au sens large tout simplement du mot, votre nom signifie tout simplement maladie file tout au voisin. Vous êtes tellement marrant, vous me donnez même envie de vous serrer la peau. La fièvre hémorragique Ebola s'invite au premier sommet États-Unis d'Amérique. Amérique, donc lieu le mois dernier à Washington. Lors du dîner organisé à la Maison Blanche, il a été demandé à tous les présidents d'apporter leur assiette. Doucement. Donc voilà, donc il a demandé à tous les présidents d'apporter leur assiette et de manger avec les doigts. Hein?
À la fin, voilà du repas, il était formellement interdit de voter. Vous imaginez le calvaire pour nos chers présidents d'Afrique faire un dîner sans voter. Vous savez. Bon. Donc voilà donc. Moins de bruit. Monsieur, ça ne se passe pas sur ce plateau. Monsieur, oui. Ça ne se passe pas sur ce plateau. Si vos oreilles sont sales, faites le. Donc, je disais tantôt, chers amis, voilà donc, vous imaginez un peu le calvaire pour nos chers présidents africains habituels à faire durant un bon repas. Durant ce repas, le président de la République, notre président de la République, a fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà donc, il a. Bon! Comme notre envoyé spécial Nguezo Matinal est sur ce plateau, voilà donc, il va nous dire exactement ce qui s'est passé à la Maison Blanche. Effectivement, monsieur Molino, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce que le président Bic a fait à la Maison Blanche pendant ce dîner est extraordinaire. Mais comme toi, tu es journaliste, dis-nous une information. Mais effectivement, je suis journaliste. Mais ce n'est pas moi qui étais envoyé. Tout simplement, à Washington. Je suis reporter, c'est vrai. J'ai fait mon travail. Oui. J'ai reporté, j'ai amené. J'ai apporté ça jusqu'ici. Mais donne l'information au téléspectateur, c'est quoi ton problème? Monsieur Nguezo Matinal, je n'étais pas lors du dîner. Vous étiez envoyé spécial à Washington. C'est à vous de dire ce que le président fait. Moi, je ne veux pas les problèmes. Regarde, moi non plus, je ne veux pas les problèmes. J'ai fait mon travail. J'ai amené l'information de là-bas jusqu'ici. Mais dis-le! Moi, je dis bien que je n'étais pas là-bas. Dis-le. Donc, vous vous débrouillez, vous dites ce que le président fait. Moi, je n'ai pas les problèmes. Moi, je n'ai pas les problèmes. Dis-le. Oh, ça suffit, vous deux là. Ici, on s'en fiche de ce que le président fait d'extraordinaire ou de pas extraordinaire. Vous êtes là pour donner l'information aux téléspectateurs. Alors, vous allez donner cette information ensemble, tous les deux, au même moment. Sinon, vous êtes viré de la télévision, voyez Simon. Monsieur, vous commencez à. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, garant de la Constitution, c'est gabonaise, non? Oui, c'est ça. Gabonaise. Durant le repas à la Maison Blanche, assis à côté du couple présidentiel américain, oui, notre très cher président, a fait quelque chose d'extraordinaire que ses homologues ne peuvent jamais faire et n'oublieront jamais. Il a parlé en anglais. Ça y est, on m'a dit ça en français. Il a parlé. Vous êtes en face? Oui. Ça. Et alors, c'est ça extraordinaire. Le président a l'habitude de parler en anglais, non? Oh, continuez le journal. Justement, pour le serpent, le président Barack Obama a fait un discours, voilà, donc il a été envoyé à notre rédaction pour la traduction. Je vous le lis, chers amis. Vous traduisez, monsieur? Toujours. J'étais là-bas. Bonjour, chers téléspectateurs et chers publics. Good morning, everybody. Voilà, donc ici, ce matin, nous sommes assis ici à Washington pour un repas très très important. Yes! Donc, we have assis for the dîner manger. Voilà, donc ce dîner, tout simplement, fera en sorte que, entre présidents, nous puissions avoir une cohésion, tout simplement, et chercher les idées pour tout ça, arranger le pays. Ça va un peu trop vite? Ok, pardon. Donc je disais que ce dîner, voilà, permettait tout simplement aux différents présidents de se retrouver entre eux pour tout simplement la cohésion et rassembler plus. Tu as le contre notre but? Ok. Donc ce dîner. Allez-y. This is the huge nourriture. Permet. You banging, you permitting. Aux différents présidents. For the president in the four. Différence. Voilà, donc je suis retrouvé entre eux. Fort Bakulam Nadjobotu. Voilà, donc dans tout simplement le cadre de l'amélioration de certaines activités au Gabon, ailleurs, au Congo, Kinshasa, à Franceville. Bah, je suis à la bonne. Donc,
This is the discourse in the parliament for the president, for the African, in the unity, in the unity, for because back lab now, lab lubi otu, yam du... L'accord river en anglais. L'accord. Bon, for the Mukudu in the president. Okay. Donc il termine son discours en disant que voilà, je vous remercie. Je remercie tous les présidents ici présents, donc à Washington, pour ce repas copieux. Ah, il faut aller. The president for the America, Barack Obama, disant I'm thank you for the nutrition you've been jungling in the America. Voilà, cher téléspectateur. Est-ce que vous avez pris le dictionnaire? J'ai jamais vu ça. Qui a le dictionnaire? Vous me demandez. Vous parlez anglais? Mais avant? Avant? Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pas d'anglais. J'étais là-bas. Tiens, c'est les tchadim, c'était moi là. Oui, c'était moi. Ça va, non? Ça va. D'accord, mon coudou. Oui. D'accord. Cher téléspectateur, excusez-moi encore, c'était tout simplement problème de dico, dictionnaire. C'est bon? Okay. Oui, bon. Donc voilà, chers téléspectateurs, voilà donc. Hey, j'ai oublié les saluer. Comment ça se passe pas ici, monsieur? Ok, nous sommes sur un plateau télévisé. Ici, c'est le direct et ça ne se fait pas. D'accord. Ok, merci. Donc, comme on le disait, chers amis, voilà donc, nous n'avons pas encore terminé ce journal. Nous revenons sur ce plateau avec d'autres, tout simplement, d'autres titres très importants. Poster. Chers téléspectateurs, nous voici au stade de Nzaïon. On va surprendre les Panthères en train de jouer contre les gars de l'Afrique de l'Ouest, précisément les Ghanéens. Mais ce soir, mesdames, vous allez voir comment ces gars, ces Panthères manipulent la chose. C'est des grands joueurs. Allez, j'en reviens avec moi. Allez, suis-moi. Oh. Seigneur. Mais ils sont où? Ni les Panthères, ni les Black Stars. Oh! Les Panthères! Les Panthères! Oh! Mais ça, c'est des risques? Il y a un là. Oh, mon frère. Mon frère, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On est là pour le match. Hein. Ils sont où les équipes? Oh, il faut dire que les Panthères sont dans les vestiaires. On va bientôt prendre le bus pour rentrer chez nous. Et le Ghana, dans quelques instants, ils vont atterrir sur le terrain. Non, je ne comprends pas. T'as mon frère, le français, là, c'est que j'ai fait les études. Hein. Attends. Comment là? En fait, il y avait match, mais il n'y a plus match. Mais comment ouais. Ça? Parce que vous savez que Ebola sévit en Afrique de l'Ouest. Et le Ghana, il fait partie de quelle partie de l'Afrique? Bon, une partie de l'Afrique qui est en l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Oui, oui. Alors, vous avez trouvé. Donc, s'ils arrivent ici, même s'ils touchent notre ballon, finalement, nous tous, nous allons écoper de la maladie Ebola. Mais regarde, mon frère, vous pouvez jouer avec les... Même si vous vous cagoulez n'importe ailleurs, des pieds jusqu'au match, on veut quand même le match. On préfère ne pas prendre les risques. S'ils peuvent gagner, ils n'ont qu'à gagner. Mais nous, on ne veut pas mourir. On ne veut pas se retrouver sous terre. Donc, tu te... Comment ça? Mais pourquoi toi, tu joues? Ouais. Ouais, oh, Bameyan, Bameyan noir. Aubameyang noir. Aubameyang, oh, il a réussi le maquillage, il est déjà noir. Eh. Oh. Vous avez vu, mesdames, messieurs, l'Ebola, ça sévit, ça vit, mais ça coupe la vie. Donc, Jandro, on s'en va. Désolé pour vous, hein. Ebola. Je vous remercie de suivre la météo de l'heure que vous avez sur la montre. Aujourd'hui, nous observons la formation des nuages compacts et contagieux sur le nord du Gabon, notamment à Bitam et Oyem. Un vent violent venu de l'Afrique de l'Ouest pousse ces nuages vers le centre et le sud du Gabon, notamment à Lambariné, Mouila et Tchibanga. Avec la montée des marées sur la côte ouest du Gabon, Libreville, Port-Gentil et Mayumba ne sont pas à l'abri d'un tsunami de type tornado Ebola. Franceville et Koulamoutou semblent être épargnés,
Mais avec la présence des foyers cycloniques récurrents de souches Prima Ebola vers Makoku, avec la frontière du Congo, fait monter la température à des degrés très fiévreux. Le pays entier doit donc se préparer à des averses hémorragiques sur toute l'étendue du territoire. Ne sortez pas sans gants, sans parapluie pour protéger les mains. Merci d'avoir suivi la météo. Je suis Mademoiselle Stimulée, alias Barbara. À très bientôt à l'heure que vous aurez sur la montre. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on appelle les habitants de Venevoir. Quartier Venevoir, mais c'est des voyeurs. Ah, des voyeurs. D'accord, merci. Bon ami, bonjour. Excusez-moi, je voulais savoir, vous vendez les moutons? Oui, je vends les moutons. Et comment on appelle les gens qui mangent le mouton? Les moutonniers. Les moutonniers? Oui. Ah, d'accord. Et celui qui tue le mouton? Celui qui tue le mouton? Oui. Bon. Un tueur de mouton. Et vous-même, vous mangez le mouton? Oui, je mange le mouton. Souvent, ils ont quel âge, les moutons? Souvent, ils ont 53 ans. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez comment ce qu'on appelle les gens qui mangent le mouton? Les gens qui mangent le mouton? Ah, ok. Ça, c'est une question, même, c'est pas n'importe qui va répondre. Hein. Vous n'avez pas une idée? Moi, je pourrais dire les mangeurs de mouton, mais franchement, c'est pas comme ça que ça doit s'appeler. Ça doit peut-être avoir une autre appellation, mais je ne connais pas. Pas comme le monsieur a dit tout à l'heure, les moutonniers, les mangeurs de moutonniers, quoi. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on appelle les habitants de Kingélé? J'appelle les Kingélé. Kingtolien, je pense. Les habitants de Kingélé? Oui, Kingtolien. Ok, merci, madame. Merci, hein. Au revoir. Kingtolien. Jeanne, allons, continue. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'était là l'édition d'information tenue par Moulino de Pouta, des Angas, des Morera, Whisky à Katiro, même qu'on va l'amour et cabalayage. Nous n'allons pas oublier comme ça, du passage, on va saluer notre caméraman, donc maison, lui c'est A. Jandro. On n'oublie pas aussi l'éclairage ici assuré par Paolo, voilà. Et puis le coordinateur général, lui s'appelle Monsieur Sosten Koukila. Oui, chers amis, n'oublie pas que là, c'est bien servi. Et voilà, quoi. Donc, c'est Dieu qui fait les choses dans le bon sens. Voilà, on se retrouve pour le prochain numéro, chers amis, à l'heure que vous aurez sur votre route ce jour-là. Merci. On s'est bip.